des frictions, des tensions à l'intérieur de la majorité avec les Verts. Est-ce que vous pensez que les Verts... vous dites aux Verts, restez dans la majorité, on a besoin de vous, pour le dire comme ça ? D'abord, pour revenir à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, par exemple, nous savions que nous avions un différend avec Europe Écologie Les Verts. Nous l'avions acté avant même la campagne électorale, la campagne présidentielle. Donc nous ne découvrons rien. Cela étant, maintenant, c'est François Hollande qui a été élu. Voilà, le gouvernement est à l'œuvre. Et donc il met en œuvre tous les projets qui étaient prévus. Et Notre-Dame-des-Landes fait partie des projets. — Ça veut dire vis-à-vis des écologistes, en gros, on applique le programme circulé, il n'y a rien à voir, en fait. Ça veut dire que tout ce que les responsables écologistes pourront faire pour ramener de la sérénité, du dialogue, pour en finir avec les manifestations violentes qu'on a connues ce week-end sera bienvenu. Ça veut dire que les deux membres du gouvernement qui appartiennent à Europe Écologie Les Verts sont tenus comme tous les autres par la solidarité gouvernementale. Cécile Duflot et Pascal Canfin. Absolument. Sont tenus par la solidarité gouvernementale qui ne s'accommode pas d'état d'âme. Donc vous leur demandez de ne pas faire de surenchère sur ce genre de dossier ? Oui, mais objectivement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils en fassent. J'ai l'impression peut-être qu'ils pas, la respectent, cette solidarité gouvernementale. Europe Écologie Les Verts. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le contrat que nous avons signé, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, avant de nous engager dans l'aventure des présidentielles, était très clair. Et donc, les responsables de LV le savent, et nous le savons. Et donc, je demande aujourd'hui à chacun de prendre ses responsabilités.